Bien, bonjour. Oui, bonjour. Séance 2, irrigation, ou agricole, aménagement hydraulique, EASA. Qu'avons-nous fait la dernière fois? Je vais essayer de résumer brièvement. On a situé, décrit le contexte. Le rôle de l'agriculture dans ce monde que nous vivons, les défis qu'il faut surmonter, avec une démographie galopante, et puis une agriculture qui n'est toujours pas assez moderne pour produire plus. Avec tous les mêmes dabas, les mêmes machettes et les espaces qui s'amenuisent aussi. Donc, la nécessité d'innovation dans le secteur d'irrigation, dans le secteur de labour, dans le secteur génétique, dans tous les aspects. Mais dans ce cours, nous allons voir le côté irrigation. Comment l'irrigation peut améliorer la productivité de nos cultures, tant à l'échelle du paysan comme à l'échelle industrielle. Et quel type d'irrigation est approprié en fonction de la capacité financière de l'opérateur. Donc, il y a des questions environnementales qui se posent, déforestation, érosion, réduction de la biodiversité et d'autres questions d'ordre technique. Comment implémenter toutes ces technologies nouvelles-là, télédétection, irrigation, à notre agriculture. Donc, ça, c'est un peu le contexte dans lequel nous sommes et les questions auxquelles il faut trouver des solutions. Mais vous devez comprendre le sol, qu'est-ce que c'est, les propriétés hydriques du sol, savoir comment l'eau se comporte dans le sol et comment la plante extrait l'eau du sol, ce qui est important pour comprendre si irrigation il faut ou pas. On avait introduit quelques notions, quelques variables du sol, qui sont la densité apparente, c'est la masse des solides. Donc, si vous prenez le sol pour vous sécher, vous enlevez l'eau carrément, sécher, il vous reste les solides, vous divisez par le volume de sol que vous avez. C'est ça la densité apparente du sol. À ne pas confondre avec la densité des solides, qui est beaucoup plus élevée que la densité apparente. La porosité. Variable assez importante, c'est le volume, c'est la fraction du volume du sol qui est occupée par les cavités. Donc là où il y a l'eau et l'air, c'est important. Si le sol est saturé, ni la plante, ni les micro-organismes qui composent le sol ne peuvent respirer et la plante va suffoquer. Donc, il faut savoir comment déterminer la porosité du sol, qui est égal à 1 moins densité apparente du sol divisé par la densité des solides. L'humidité du sol,
comment savoir quelle est la teneur en eau dans le sol? Il y a deux façons de voir l'humidité du sol. Un, quantité. Quelle est la quantité d'eau qu'il y a dans le sol? Mais c'est bien, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours la bonne approche pour voir quelle est l'eau qui est disponible à la plante. Vaut mieux essayer de voir aussi quel est l'effort que la plante doit faire pour extraire cette eau qui est dans le sol. C'est beaucoup plus important pour le paysan que de savoir combien, quelle est la quantité d'eau qu'il y a dans le sol. Mais les deux sont, nous permettent d'avoir une idée de l'humidité du sol. Vous avez 5 milliards, votre compte est gelé. Vous voyez que l'énergie qu'il faut appliquer au sol pour extraire l'eau du sol, ça devient ce qui est beaucoup plus important pour le planteur. S'il y a assez d'eau que la plante ne peut pas extraire, la plante va mourir. Donc, il y a la notion d'énergie, voir le potentiel de l'eau, ou bien, vu d'une façon, quelle énergie la plante doit fournir pour extraire cette eau-là. C'est ce qu'on appelle le potentiel. Ça, c'est la capacité de l'eau à couler, à faire du travail. Et l'humidité, en termes de quantité, si nous l'exprimons sous forme volume, c'est dans le volume de sol qu'on a, quel est le volume d'eau qu'il y a. Donc, si on prend un mètre cube de sol, profondeur un mètre, un mètre carré, ok, si on extrait tout cette eau-là, en faisant quoi? En mettant au four, et c'est évaporer cette eau-là, et puis faire la différence du poids avant et après. Cette eau-là, si on divise par le volume de mètre cube, on saura le volume d'eau qu'il y avait. On peut l'exprimer aussi sous forme de masse, la masse d'eau plus la masse de sol qu'on a. Bien, les deux sont utilisés, mais la définition volumétrique et prime un peu plus, c'est plus souvent que le rapport de masse. Donc, nous utiliserons de temps à autre la quantité d'eau qu'il y a dans le sol et de temps à autre aussi, parler aussi de potentiel, c'est beaucoup plus important, beaucoup plus, qui décrit mieux les choses. Vous prenez une mousse, comme je l'avais dit la dernière fois, une mousse bien trempée, vous n'exercez pas beaucoup d'efforts pour pouvoir essorer l'eau. Même quand vous avez essoré votre pagne, pour extraire après 5 essais, le sixième, vous tournez, vous mettez plus d'efforts, mais il y a toujours de l'eau dans le pagne. Quelle est cette force qui me tient? C'est cette eau dans le pain. Oui, c'est l'attraction des molécules d'eau entre elles. Ce fait que, et puis aussi, dans ce cas, dans le cas du sol, nous avons des argiles qui ont des. Ok. Donc, ces argiles-là, qui ont des anions sur les côtés, qui aussi agissent sur ces molécules d'eau. Et une molécule d'eau, elle est bipolaire. Donc, il y a aussi l'attraction les unes pour les autres. Mais dans ce cas-là, c'est beaucoup plus cette. Ce potentiel-là qui est prédominant.
le phi m, qui est la, le potentiel matriciel. OK. La gravitation, vous voyez que dans le pain que vous séchez, il ne coule. Le point, la pesanteur cesse. Mais au tout début, quand c'est saturé, bien que la pesanteur, vous voyez que l'eau tombe seule. Okay. Jusqu'à ce que la force pesanteur agisse et puis cesse. Et puis, la force, le potentiel osmotique, ça c'est s'il y a beaucoup de sel, beaucoup de cations dans l'eau par rapport à une eau pure. Donc, généralement, sauf dans des endroits où la charge saline est élevée, sinon dans beaucoup de cas, la potentiel osmotique n'est pas un problème. Pression, même chose, il faut que ce soit en milieu vraiment saturé. Mais ce qui est beaucoup plus important, quand le sol n'est pas saturé, c'est le premier, le phi m, parce que c'est le sol même qui retient les fumes d'eau. Si vous regardez bien, soit les grains de minéraux qui sont là, il y a une fume d'eau autour des grains de minéraux qui maintient et qui dicte l'écoulement. Dans ce cas, il y a des équations qui existent en fonction qui dépendent de la texture du sol et qui donne une indication de ce phi m. Mais on n'a pas assez de temps pour rentrer dans ces équations de calcul du potentiel. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas l'un seul de ces potentiels-là qui dicte comment l'eau est retenue. C'est la somme des quatre qu'il faut voir. C'est le potentiel total qui est important en un point donné. Donc, s'il y a écoulement, comme je l'avais dit la dernière, d'un point à un autre, évidemment, il y a j'ai mis un coup. Pourquoi l'eau coule? La gravité est à cause de l'air. À cause de l'air? Oui, j'ai parlé de l'air ici. Non, mais c'est à la gravité. Ça coule. Tu veux dire la pression de l'eau? Non, mais la pression. Je ne sais pas, mais. Ça coule. Non, mais c'est pas du tout. Ah, c'est la pédale. Non, c'est pas. Ah, c'est l'air qui coule. Non, il y a plus de pompe. Peu à la gravité. Je vous ai dit, c'est ça qui est important. Pour qu'il y ait écoulement d'un point à un autre, c'est la différence du potentiel total en ce point-là, moins la différence de potentiel. Si le potentiel est élevé ici, par rapport à ici, l'eau va couler dans ce sens. Donc, ça veut dire que quand c'est percé comme ça, il y a le potentiel de l'eau ici est faible. Donc, ça coule comme ça. C'est pas possible.
ça coule pas. Ah. Le potentiel est comment? Ici, ça ne coule pas. Donc, en tout point, le potentiel est le même. Total. Mm-hmm. Pas individuel. Ça ne coule pas. Pas que ici, ici est fait. Ouais. Donc, il faut voir le potentiel total. C'est les quatre là, en un point A, calculé en un point B. Et l'eau va couler dans le sens du plus haut potentiel vers le plus bas potentiel. OK? C'est ça qui guide le sens de l'écoulement de l'eau dans le sol. Vous calculez phi total en un point, phi total en un point B, il doit avoir l'écoulement. Sauf s'il y a une barrière physique qui empêche l'eau de couler, nécessairement. Si vous avez fait un barrage, là, ça devient autre chose. Là, ça fait. Mais sinon, s'il y a une continuité du sol entre les deux, il n'y a pas de problème. OK? Donc, la direction de l'écoulement de l'eau, d'un point A vers B, l'eau va couler de A vers B si le phi total en A est plus élevé que phi total en B. Nous avons vu qu'il y a deux états hydriques, saturés. Là, tous les pores sont remplis, les cavités sont remplies. Et puis, non saturés. Dans non saturés, on a défini deux états assez importants pour entrer l'eau. Un, on a appelé la capacité au champ. Et deux, le point de flétrissement permanent. Flétrissement, ça veut dire que la plante sèche carrément. Carrément séché. Peu importe la plante. C'est un point qui ne dépend pas de la plante. C'est-à-dire qu'à ce point-là, théoriquement, aucune plante ne devait pouvoir résister. Ça ne veut pas dire que toutes les plantes vont atteindre. Il y en a qui disparaissent bien avant ça. Mais c'est un point, je sais, jusqu'à 15 bars. S'il faut exercer 15 bars pour pouvoir extraire de l'eau, ça c'est beaucoup d'énergie et je ne pense pas que beaucoup de plantes peuvent atteindre là. Donc, vous n'allez pas attendre que votre plante aille jusqu'au point de flétrissement, sauf si vous êtes en culture où vous dépendez de la pluie et puis vous n'avez pas le champ, plus la sécheresse, bien la plante est partie. Quoi. OK? Donc, on a la capacité au champ, c'est défini comme le point où les forces de gravité, là, cessent d'agir. Donc, si le sol est saturé, ou quand il pleut, si vous êtes dans une sol bien sableux, vous voyez que dès qu'il pleut en même temps, l'eau s'infiltre rapidement. Ça s'infiltre, ça s'infiltre. Et même si l'infiltration est moins que la pluie, il y aura peut-être une inondation. Et après quelques heures, ça s'en va. La force gravitationnelle agit beaucoup plus à ce moment-là. Donc si vous laissez cette eau s'infiltrer 2-3 jours, à un moment, l'infiltration est presque, vous ne voyez plus assez d'infiltration, presque arrêtée. Donc, la teneur en eau à ce moment-là, on atteint la capacité au champ. Donc, vous prenez l'humidité en termes de quantité à ce stade-là, et vous avez l'humidité, la capacité au champ. Et l'autre, au point de flétrissement permanent, là, il faut du matériel adapté parce que 15 bars, ce n'est pas de la blague. Hein. Ouais. Les pneus, là, je ne sais pas si c'est combien de bars c'est, mais les pneus qu'on gonfle. Donc, ouais, 15 bars, c'est un peu dangereux. Donc, au labo, ça se détermine. Et dès que vous avez
la teneur en eau à la capacité au champ. Vous avez la teneur en eau au point de flottement permanent. Cette différence-là vous dit, voici la quantité d'eau qui est disponible à la plante. Donc, théoriquement, c'est ce que la plante peut extraire. La teneur en eau à la capacité au champ. Et puis, quand c'est vraiment tend vers la mort, donc voici cette différence-là, c'est la quantité d'eau disponible. Donc, c'est un peu le compte d'épargne de la banque et de la plante. N'est-ce pas? Je ne peux pas puiser plus que ça. Donc, si vous devez irriguer, c'est pour tenir compte de cette réserve utile-là. Plus ça tarie, et plus vous savez, dans une autre zone critique, vous devez savoir à quel moment dire attention, on va dans une zone où la plante va exercer plus d'énergie pour avoir de l'eau, ce qui serait contre le productif. Il faut que j'ajoute de l'eau. Alors, c'est ça l'irrigation. L'irrigation, c'est la quantité d'eau, donc comme on veut le définir ici, que vous devez apporter après que la pluie est envoyée et autres. Il peut pleuvoir et puis ça ne suffit pas. Donc, ça, parce qu'il a plu, que vous devez irriguer. Si ça ne suffit pas, la pluie, il faut irriguer. Ne pas dire, il a plu, donc je n'irrigue pas. Donc, ça veut dire que vous devez évaluer l'efficacité de cette pluie-là. Cette pluie-là a-t-elle pu remplir la réserve en banque ou la réserve utile de la plante? Si ça déborde, il y a excédent. Donc, il faut que ça aille quelque part, par ruissellement ou par autre. Donc, vous devez tenir compte de ce ruissellement-là pour pouvoir faire les prévisions à venir. Parce que si j'ai 100 francs, j'ai 1000 francs à dépenser à raison de 100 francs par jour. Bien. Si vous voulez, vous donnez 100 francs par jour. Bien. Là, on est quitte. Si je mange 100 francs, je donne 100 francs. Si je mange rien, je ne donne rien. Ouais, non. Donc, vous savez, je vous dis à quel moment vous donnez 100 francs. Il me reste 900, 800. 700. Vous voulez que j'aille jusqu'à 900 de l'argent, ou bien vous dites, arrivé à 700, déjà, mais 600, c'est bon. Je remplis votre caisse. Donc, vous pouvez laisser 5 jours avant d'arroser. 10 jours. Si, ou bien 20 jours. Si, ici, il pleut. Et que la pluie, donc il n'y a pas d'irrigation. Donc, vous devez voir la météo de chaque jour, enregistrer les pluies qui arrivent, savoir les pertes, les ruissellements qui vont venir, et puis ce que la plante même va dépenser, sous quelle forme. Donc, la réserve utile, c'est bien, ça c'est exprimé avec la teneur en eau massique, mais c'est la différence entre l'humidité à la capacité au champ et l'humidité au point de flottissement permanent. Voici, sous forme de diagramme, très irrigation and rainfall, donc irrigation et pluie. C'est-à-dire que ce que vous ajoutez, plus la pluie, c'est ça qui vient à la banque, c'est quoi? Ça, c'est le crédit? Non, ça, c'est le crédit. Ça, c'est le crédit.
Ça, vous êtes content. Maintenant, quand il pleut, si la pluie, si l'intensité de la pluie dépasse l'infiltration, généralement, le ruissellement s'ensuit. Si le sol ne peut pas rentrer beaucoup plus vite que runoff, ruissellement, et qui est en bleu là. OK? Bien. Et supposons que on est au stade où il y a où j'ai mis full point, de la capacité au champ. Ça, c'est généralement, c'est le, quand vous irriguez, au plus, c'est là où vous voulez être. Non, c'est pas le sol. Ça, c'est le niveau d'eau. Voilà. Vous voulez irriguer tout au plus atteindre la capacité au champ. Vous ne voulez pas dépasser ça. Vous voulez un peu d'air quand même dans le sol. N'est-ce pas? Donc, la capacité au champ, c'est un peu le point le plus humide que vous recherchez quand vous irriguez. OK? Si on devait enlever toute l'eau, ce qui est écrit en bas là, c'est pas moisissure, c'est moche, humidité. Zéro moisture. C'est-à-dire que s'il n'y a même pas une goutte d'eau du tout, on serait ici. Si vous laissez un sol à l'air libre aussi, il y aura un peu d'air parce que ça va s'équilibrer avec l'humidité de l'air. Là. Il y a de l'air dans ce sol-là quand même. Même le pain sec que vous avez là, il y a un peu d'air. Mais c'est vraiment infime. Et le point de flétrissement permanent, un peu au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a encore un peu plus d'eau là même qu'ici. N'est-ce pas? Donc, vous voici à la capacité au champ, au point de flétrissement permanent. Voici cette quantité d'eau là, maximum disponible en théorie à la plante. Plus vous êtes ici, et plus facile il est pour la plante d'extraire l'eau du sol. Parce que le potentiel de l'eau est assez élevé ici. OK? Et plus ça s'évapore, que ça devient assez sec, le potentiel de l'eau devient faible, petit. Petit, pas petit en magnitude, mais négativement plus petit. C'est élevé, mais c'est moins. Donc, il ne faut pas comprendre. Voilà. OK? Donc, de façon algébrique, c'est faible. Donc, la flèche là vous dit, en termes de tarissement, si toute la barrique c'est ça, quand vous finissez ou quand la plante absorbe, vous allez au fond de la barrique et voici ce qui reste. Vous voulez encore que la plante aille au fond avant d'ajouter? Bien. Tout dépend de beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes prêt financièrement à vous engager dans l'irrigation? Est-ce que l'argent qu'il faut pour amener cette eau-là, est-ce que vous l'avez? Dès que vous avez mal jugé, vous avez commencé au début. C'est ça, quand vous élevez les enfants, puisqu'ils sont petits, c'est bonbon, il veut. Après, c'est un gros jouet. Ah non, moi, je veux ordinateur. Tu vois, hein? Donc, quand la plante sera à ce stade et que c'est assez de volume d'eau qu'il faut emmener, parce que ce n'est plus des petits débits pour les plantules du début. C'est des gros débits qu'il faut amener. Est-ce que vous avez assez de carburant, de machin pour pomper l'eau, pour distribuer, parce que au début, 1 mètre cube d'eau, ou bien 10 mètres cubes d'eau suffisait, mais là, il faut aller à
à 50, 100 par semaine. Ouais. Donc, il faut savoir ces choses-là, calculer d'avance, programmer, et c'est ce que on est là. On va voir. Donc, ça, c'était... On va aborder aujourd'hui l'irrigation même. Pour cela, vous devez installer un logiciel libre de la FAO qui s'appelle CropWatt. Oui, vous l'avez suivi. Oui. Ouais. Vous pouvez l'avoir sur le site de la FAO. Ça s'installe aussi facilement que ça. C'est le... Mais je crois que nous avons... Donc, c'est le logiciel CropWatt, assez simple, qui permet de faire votre programme, votre irrigation, suivre mais toi c'est pas un problème de virus. Moi c'est mieux que la passe. Pardon? Ça passe sur moi, c'est mieux. Ça passe pas. Oui. Et qu'est-ce qu'il dit comme c'est pas virus, hein? D'accord. Donc tu le télécharges et puis ça quoi. Thank you.
infinie. www.fao.org. Donc, à la pause, on va. Tout ce que le modèle fait, c'est basé sur cette réserve utile. La réserve utile, je vous l'ai dit, c'est la capacité, la quantité de la capacité au champ. Moins. Donc, ça, c'est le maximum. Capacité au champ, moins, habilité pour le flottissement. Nous allons baser, nous basons sur ce bilan hybride. Parce que le diagramme, ça, vous l'avez déjà vu quelque part. Hein. Regardez, hein. Vous l'avez. Le sol. On va définir ici ce qu'on appelle le sol. Et puis, la profondeur du sol qui nous intéresse. Il faut aller jusqu'à l'extrémité inférieure des racines. C'est ça? Donc, vous devez au préalable savoir la plante que je vais cultiver là, jusqu'où la majorité des racines vont aller. Oui, non?
Parce que c'est dans ces zones accessibles à la plante que la plante va tirer l'eau. Il y a beaucoup d'eau au-delà des racines, la plante n'en fera rien. Donc ça, c'est le sous-sol. Donc le sol, c'est du début jusqu'où je pense que quand la plante va atteindre la maturité, où les racines seront. Si c'est 1 mètre, 50 cm, 2 mètres. Donc mon sol, il faut que je sache au préalable jusqu'où je dois aller pour faire mes calculs. C'est dans ce volume de sol-là, ça qui m'importe. Tout ce qui passe ici, une filtration. Ce sera noté comme une filtration perdue. Si ça va à la nappe ou autre. Si vous pensez qu'il y a des remontées après, ça c'est autre chose. Tout ce qui est ruissellement, c'est des pertes. Infiltration, c'est des pertes. Évaporation du sol, c'est des pertes. Transpiration, c'est des pertes. Donc la réserve utile ici, c'est l'état hydrique du moment, moins au point de fleurissement permanent. C'est cette barrière-là qui va être plus amplifiée. Ça se tarit. Donc, on voit ce tarissement. OK? Donc, c'est cette deuxième outil-là qui m'importe. Donc, c'est celle-là que je dois évaluer chaque jour pour voir s'il y a un état critique ou pas. Si ça nécessite d'être rempli ou pas. Donc, il faut que je détermine la réserve utile aujourd'hui et demain, ce bilan. S'il y en a assez, ça va. Si je vois un peu chaque jour, voici ce qu'il y a aujourd'hui, la réserve utile. Je vois jusqu'ici, aujourd'hui. Demain. Et puis demain, il a plu, c'est revenu ici. Donc j'ai encore pour quelques jours. 3 jours, ça est ici. Et puis 4e jour, je remplis. J'ajoute combien? Ça faut aussi déterminer combien il faut ajouter. Pour combien de jours? Si les conditions sont comme ça. Donc, les pertes journalières seront lesquelles? L'évapotranspiration. S'il n'a pas plu. S'il n'a pas plu. C'est l'évapotranspiration seulement. Peut-être qu'il n'y a pas d'infiltration, ruissellement, précipitation. S'il a plu, je dois évaluer la quantité d'eau qui est tombée. Est-ce qu'il y a eu ruissellement? Est-ce qu'il y a eu un excès pour qu'il y ait l'infiltration? C'est-à-dire que la réserve utile a atteint son maximum et puis ça déborde ici. Donc, c'est ça qu'il faut suivre. Donc, il vous faut quoi? Un pluviomètre pour déterminer la quantité d'eau qui tombe. Et le pas de temps qui vous intéresse. Si c'est un pas de temps journalier, si c'est un pas de temps de semaine, j'essaie de le voir. Donc, il me faut une station météo à côté. L'infiltration. Il y aura infiltration quand la réserve utile là va déborder. La barrique est pleine, on va au-delà. Si vous voulez remplir ça là, donc ça déborde, ça ruisselle. Si ça va, ça s'infiltre. Ça peut aller. Donc cette réserve utile là, vous faites le bilan. Donc ce qui donne quoi? L'eau arrive au sol par la pluie et se perd par le ruissellement à la surface et la percolation, bien l'infiltration. Ou bien, quand l'eau se perd par une vapeur d'eau, on appelle ça évaporation. Donc, évaporation du sol. Et puis, transpiration par la plante. La plante, c'est sous forme de vapeur d'eau. OK.
Maintenant, il faut évaluer, non seulement il faut évaluer ça, mais il faut faire le bilan d'abord. Donc le bilan, c'est quoi? La variation de la réserve utile aujourd'hui, moins sa valeur aujourd'hui et demain. C'est la différence là. Net, il me dit s'il y a gain ou s'il y a encore besoin. Ça, sachant que je sais que tout la barrique est là. Ça c'est le maximum que la barrique peut prendre. Donc, si je descends ici, si c'était là hier, par exemple, si c'était au maximum, qui n'a pas plu, que la plante a prélevé ceci. Donc, il y a eu cet tarissement-là. OK? Si deuxième jour, s'il y a toujours des pertes continues, ou bien s'il y a des gains, il faut faire ce bilan. Donc, dans le logiciel PropWatt, là, c'est ce que ce bilan un par journalier. Donc, la variation de la réserve utile entre jour J et jour J moins 1 est égale à la précipitation, donc la quantité de pluie que vous allez amener, moins le ruissellement, l'infiltration et l'évapotranspiration. C'est bien clair. Donc, je suppose que là, maintenant, quand ça c'est fait, c'est à vous de voir s'il faut apporter de l'eau ou pas sous forme d'irrigation. Okay. Donc l'irrigation, nous ne tenons pas encore de la pluviométrie d'abord. C'est ce qui est apporté ou en plus. Instrumentation, comme j'ai dit, il faut un pluviomètre. En même temps, il faut définir la notion de pluie efficace. Partie de la pluie qui demeure effectivement dans le sol. Donc, il y a des pluies inefficaces. N'est-ce pas? S'il y a pluie efficace, il y a des pluies inefficaces. À quel moment une pluie peut être inefficace? Il pleut même plus. Il y a des pluies qui... Il pleut, il va ici, mais pas assez. Oui. Ou bien il pleut, en même temps, ça arrose le sol là, et puis en même temps, c'est évaporé. Oui, c'est-à-dire que le pluviomètre a enregistré quelque chose. Mais il fait tellement chaud, le sol est tellement chaud, que ça s'est évaporé même en moins de temps, en moins de 20 minutes après. Donc, pluviométrie, d'accord, mais ce n'est pas rentré dans le sol. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est le cas. Il pleut trop aussi. Et qu'une bonne partie du sol, mais c'est un fut. Donc, si l'intensité est assez forte, vous avez un sol dénudé là, il pleut et puis presque une petite partie, même si c'est un fut. Dès que le sol est tellement érodé, et puis sur une pente là, enfin, non. Là, c'est des pluies. Il a beaucoup plu. Mais tellement fort, en moins de 5-10 minutes, une petite fraction qui a pu s'infiltrer. Enfin, soit il n'y avait pas de résidus sur le sol, et l'impact a fait que, ou bien, ça s'infiltre tellement vite, comme le sol sableux là. Et puis, ça dépasse la zone, là, ça s'infiltre. Donc, tout ça peut rendre une pluie. Bien qu'il ait plu, mais c'est du point de vue de la plante, je n'ai rien vu. Je n'ai rien pu retenir pour vivre. Ouais, non. Donc, l'efficacité de la pluie aussi est importante. Et ça, dans le logiciel, on verra, on va installer. Il y a des approches qui sont faites pour estimer l'efficacité. Bien. Et ça, il faut vraiment essayer sur le terrain pour voir ce que ça donne dans votre cas, dans votre champ.
si ces équations-là sont appropriées. Où est-ce que je vois le temps là? On a combien de minutes là? Progressivement. Ah, il ne connaît pas, hein? Non. Oh, bien. Et que... Disais-toi. Comme? Disais-toi. D'accord. Donc, on peut réussir ça déjà. Sinon, c'est ça trop. Là, j'ai oublié là. Non. Ça, non? Le stop share, là, on laisse toujours, non? Oui. Hein? Oui, on laisse ça faire.